Bonjour, ça va? Donc là, je vais vous en prie. Oui, je vais vous dire. Salut. Fini? Les 5, les 8, 9 personnes là, ce sont. Ça va? C'est un mot. Alors, il y a une dépose à l'état qui nous a envoyé par email. Et malheureusement, mon email est une bande back, nous avons attiré à l'attention. Commissaire, mais il dit à l'email, mais tant mieux, mais samedi, il n'est pas si marché. Pas grave, ça c'est un point technique. C'est pour ça aussi qu'il nous tenait à remettre sa lettre là à commissaire électoral. Et commissaire électoral est d'emblée, fin de dire à nous, qui a besoin vendredi. Alors vendredi, ils ont pour donner une réponse vendredi. Et la raison qui fait que je n'ai pas capable de jouer tout de suite, c'est parce qu'ils ont fini de planifier un travail pour Rodrigue. Okay? Alors donc, ils ont pour répondre nous. Ils n'ont pas pour faire une déclaration publique, mais ils ont pour répondre résistance et alternative. Alors nous apprécions que le commissaire ait été on board, mais prend en considération le contenu de sa communication, qui résistance et alternative, soumettre aujourd'hui, le nom à la transparence électorale. Parce que la démocratie, c'est un des piliers, hein, l'État libre, un État indépendant, un État souverain. Et élection, dans Maurice, nous parlons d'une élection assez nouveau, parce que pendant plusieurs siècles, le parti n'a même droit de vote. Alors, élection, ça fait important. Mais deuxième petite chose que le commissaire dit, qui nous paraît, nous a l'autorisation pour répéter devant les médias, le commissaire il dit que ça, la loi, là, une force. OK? Et qu'il vient faire pour censer. OK? Et il même cite un dicton avec nous, en anglais, qui tout le monde deal avec la loi électorale et les dépenses électorales dans le monde, vous dire mais ça la loi là, il ne fait pas pour dire la loi là pas bon, je me simplifie, la loi là pas bon. Et ça, là nous rejoignons le commissaire rejoint nous là. La loi là pas bon et même problème. Et que ça la loi, l'autre dépense électorale. Mais la loi pas bon, pas veut dire pas besoin de respecter la loi. Ça c'est point de vue, résistance et alternative. Et bizarre respecter la loi, d'autant plus que l'argent, c'est l'aspect central de la démocratie. Et depuis plus que 30 ans, nous le mentionnons dans sa lettre-là, l'argent peut corrompre l'élection. Un côté qui corrompt par communaliste, d'ailleurs ici même, symboliquement, le Tila, dans la dernière élection générale, quand le candidat a été résisté, sa place pour le Bécozao, et l'élection générale est aussi corrompue. De plus en plus par l'argent et l'argent. Nous ne connaissons pas si propre, nous ne connaissons pas si sale, nous ne connaissons pas si black money, nous ne connaissons pas si grey money, mais il est corrompu par l'argent. Alors, la résistance, nous assumons nos responsabilités. Et pour nous, nous n'avons rien à faire avec tous les autres partis politiques qui, dans le Parlement, aujourd'hui, nous sommes un parti qui vient mener le combat au système électoral, de réforme électorale depuis plus de 15 ans. Voilà ce que moi je tiens à vous dire, Stéphane et David qui est dans des trois mots pour dire ce que je veux dire.